Salut à tous les amis, c'est Aishi pour Underground épisode 6 et je suis avec Skyard. Comment ça va Skyard? Ça va très bien et toi? Ça va. Attends, première personne, j'ai appuyé sur F1. Aujourd'hui, on va se promener dans la nouvelle ville qui est en train de se construire. Alors, on va partir de chez moi pour vous montrer un peu l'avancée, le petit chemin qu'on a fait et tout. C'est beau ce qu'on a fait, j'ai fait ça avec Skyard. On a fait ça quand? Il y a quelques jours. Le chemin, on a fait ça avant-hier, je pense. Là, j'ai eu un lag bizarre en ce temps. Avant-hier, ouais, c'est fort possible. Tu me suis? Toc. Donc, je suis là. De la clay rouge avec des demi-dalles. C'est plutôt sympa. Parce que c'est joli. Ouais. On a mis de la dirt. Et du coup, c'est pas fini d'aménager encore. On fera ça quand on aura un peu de temps. Essayer de voir ce qu'on peut mettre d'autre autour. Pareil, là, le chemin, il s'arrête un peu brutalement. On sait pas trop encore comment on va s'arranger de ça. T'as une idée? Non, pas tout de suite. Non. On verra bien. Peut-être faire un portail ou un truc du genre. Et du coup, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire, s'occuper de ça, là. Donc, le marché, on a commencé à travailler dessus. Et aujourd'hui, avec Skyard, on va chercher un troisième pattern, parce qu'on a deux types d'échoppes. Un troisième, et vous allez nous dire dans les commentaires celui que vous préférez. Gna gna gna. Je vous fais un petit tour rapide de la ville, de ce que ça donne pour le moment. Tac. Hop. Les petits trucs qu'il y a fait. Je vais monter aussi en haut. Pour ceux qui n'ont pas vu les screens sur... J'ai ouvert un petit album sur ma page Facebook. Si vous voulez, dans la description, vous pouvez aller voir. Où je mets où je mettrai régulièrement des screens, en fait, du serveur. Ça permet de vous montrer un peu ce qui se passe, quoi. Tac. Merde, je me suis fail. Et sinon, il y a Skyard qui a sorti son premier épisode sur Underground, donc faut aller le voir, il est trop cool. Donc ça, c'est un... Ouais, c'est modeste. Hein. Ouais. C'est un petit tunnel qu'on a fait avec Amipuki, Jade, qui est arrivé sur le serveur il y a pas longtemps. Qui est plutôt sympa, donc ça avance tranquillou. Donc maintenant, je arrive au marché. Wouhou, Feather Falling de ouf. Ah bah non. T'es mort. Je me sens très trop venir en plus. D'habitude je... Ah mais je crois que j'ai pas remis mon armure sur moi, c'est pour ça. Oui, effectivement j'ai oublié de remettre mon armure, sinon je ne serais pas mort. J'ai toujours le bug de quand je meurs, je perds pas mes niveaux, je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis admin. Du coup c'est chiant, c'est pas RP, mais c'est pas grave. Du coup, là on a le premier pattern. Donc pattern numéro 1, on va l'appeler. Je lis ce qu'il est mis. Pattern numéro 1, ça c'est les petites échoppes basiques. Pattern numéro 2, que je trouve vraiment simpliste. Là j'ai essayé de faire un truc un peu plus détaillé. Et là faut qu'on fasse pattern numéro 3 ici, on va casser ça. Et on va faire de la recherche de patternité. Lol. XD. Mais comme je suis très bon en déco, ça devrait aller très vite. Ouais. Wall Creeper, attention! Behind you! Voilà. Alors, j'enlève ça, tout ça. Vas-y, il fait sombre. La laine, c'est chiant à enlever. Y a pas un truc qui... Ah, mais j'ai des shears en plus. Si, les shears. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Les cisailles! Ouais, les cisailles. Donc on va juste respecter la largeur qui est de 5. 4 ou 5. 3 blocs truc et un bloc enfin fait les contours. Alors je replace bien mon inventaire parce que ça me fait voilà. Hop. Donc j'ai emmené des ressources ici dans ce coffre là. Ça devrait nous suffire. On va voir ce qu'il y a. Donc il y a de la stone bricks. Aussi la laine. Ouais, vas-y, si tu veux mettre ta laine que t'as ramené. Tu vois, la stone bricks, on peut la transformer en escalier et tout. J'aimerais vraiment que ça fasse petite échoppe sympathique. Un peu. Attends, je te mets des bûches si tu veux, je te mets la moitié. Celles-ci, on les transforme pas en bois. Je prends la moitié de planche aussi. Ok. Je vais prendre un peu de ça et je vais en faire je ne sais pas. J'aimerais bien faire des vraiment sorte de petites échoppes un peu maisonnettes, un peu cool, je sais pas trop comment dire, et que ça soit beau. Des baraques à frites. Ouais, voilà. Et que ça fasse petit marché, donc
On commence par quoi? Est-ce que tu as une idée pour les coins? Moi je dirais la base, donc la première couche. Selon, on a déjà ici l'étalage. Ici il y a déjà des bûches, donc on va éviter de faire la même chose, de mettre des bûches juste à côté quoi. Et là c'est tout en bois, donc il faudrait essayer de faire autre chose aussi. Donc pourquoi pas commencer par de la stone brique. Ouais. Du coup c'est une bonne idée. Je remets de la stone brique ici et ici. Il y a un bug là. C'est l'écartement qui est pas bon. Ah non, c'est moi qui ai bugué. Là, c'est quoi l'écartement? Mais il faut enlever la middle qui est ici en fait. Il y en a 3. Ah, il va là. Ça fait 5. C'est exact. Ça peut faire un coin. Ici, on peut faire table de craft. Il y en a une dans le coin, oui. On fait les 4 coins comme ça? Ouais, par exemple, les 4 coins en stone bricks. Oula. Ensuite, le truc monte. Je sais pas, on peut essayer de faire ça. Ça ressemble un peu à l'autre en fait, comme j'ai mis les escaliers, mais. Ou alors tu vires les escaliers et tu mets juste des demi-dalles. Ouais. Alors, Annie, tu vas pas nous faire chier, hein. Putain, j'ai des. D'où ils viennent mes frises là? Oups, excuse-moi. Ah, ok, d'accord. Je me dis putain, elle est violente la frise. T'es passé devant moi. Et tout pris. Putain, du coup, ouais, attends. Oh, on peut faire un truc genre. Oh, mais là ils pourront sortir les PNJ. Quoique. Est-ce que tu comptes mettre du quartz? Non! Donc déjà mon idée n'ira pas. Moi j'aurais mis des demi-dalles, enfin 3 demi-dalles. Ah quoique le quartz ça peut être joli mais ça fera pas assez. Comme ça. Des demi-dalles comme ça, mais pas des demi-dalles de cobble, hein, mais ici, là et au milieu. Pour faire une sorte de petit étalage. Pour pas faire avec les deux escaliers comme le modèle à côté. Ta-da. Voilà. Ou alors tu les fais en stone brick et celle du milieu en bois ou en quartz. Ou alors tu laisses comme ça, c'est bon. On les fait en mode petite maisonnette, c'est tu fais tac, tac. Et tu fais un petit toit triangulaire, paf. Et tu fais les 4 tours comme ça. Faudrait, et tu mets un barbecue. Il faut trouver comment mettre où on met la laine. Il faut pas qu'ils puissent sortir les PNJ. Ah, ça fait stylé. Ça fait vachement prison quoi. Oui, mais ils ont pas le choix. Bonjour. Bonjour, je vends des gâteaux. Des frites. C'est un pattern dégueulasse. Ça fait vachement haut je trouve en fait. Ouais mais. Moi je commencerais déjà le toit à partir de la troisième hauteur. Ouais moi aussi. Et je voulais que les piliers soient pleins. Ou alors je fais que deux de. Je fais qu'un seul de bûche. Ouais, et tu mets. La stone brick direct. Pas stone brick, ouais. Est-ce que j'ai des escaliers stone brick? Non, non. Je vais en craft. J'ai de la stone brick sur moi, je te la donne. Ou t'en as? J'en ai, t'inquiète. Ok. Si on met les barrières. Elles seront ici, du coup, les barrières. Parce que je pense que les barrières, c'est bien pour les empêcher de sortir. Je te les donne. Ou des escaliers. En avancée comme ça. Ça rend bien. Faire une avancée, mais il faut faire ça bien. Ouais. Un peu un cache-soleil comme ça. Non, moi j'aime bien. Il y a un tout petit écho. Je vais baisser le son de mon casque. Si je mets ça comme ça, avec des. Ça rend vachement bien ça, je trouve. Ça fait très bas quand même, non? Et après, avec de. Faut trouver où on met la laine. Les côtés, on les voit comment. C'est bas, mais en attendant, ça contraste un peu avec les deux autres trucs qu'on a fait, donc c'est pas trop mal. Ouais. C'est là que, de toute façon, les gens, depuis le début, ils disent « Non, le premier pattern, il est bien, tout je fais pas celui-là. » Non, j'en sais rien. Faut voir qu'il soit fini, déjà. Ce que tu fais, c'est de la merde. C'est moche, c'est deux, j'aime aucun des patterns. C'est le droit de dire ça aussi, hein.
Des abonnés de pouce rouge. Non, évitez quand même. Là, du coup, comment je fais? Est-ce que j'ai besoin des barrières ici? Non. J'aimerais bien réfléchir. On pourrait peut-être mettre la laine là, justement. Ouais, mais faut qu'elle soit visible, en fait. Mais tu la vois par en dessous quand t'es au comptoir. Donnez-moi les escaliers que j'ai cassés. Ou... Merci. Merde, ça fait comment ça? Pourquoi j'ai mis ça là? Je préférais quand c'était avancé à l'extérieur. Ouais, moi aussi. Mais ce qui est dommage... On pourrait faire un mélange de escalier de bois et escalier de stone bricks. Genre... ici. Alors mets plutôt le bois au milieu et la stone bricks sur l'extérieur. Ok. Mais c'est que la stone bricks va être collée aux autres stone bricks. Ouais, mais c'est pas trop grave. Voilà, il faut se creuser. Ou alors juste les demi-dalles en stone brick plutôt. Ou alors ouais, comme ça. Quel est mon escalier? Il est à terre devant toi. C'est pas moche. Non. C'est fort bien. C'est fort fort bien. C'est fort fort... voilà. J'approuve. Ensuite, faut qu'on arrive à caser de la laine en haut, faut trouver un petit toit à faire. On fait un petit toit pyramidal. Pyramidal. Faut finir les côtés avant de faire le toit peut-être. Les côtés, je vais mettre des dalles aussi. J'adore les dalles, c'est vraiment génial. Les dalles, c'est trop génial. Yeah. Pas convaincu de ce que je suis en train de faire. Je suis convaincu. Mais c'est bizarre, toi. Il y a un truc qui cloche. Sinon j'ai oublié de préciser, je suis sur mon nouvel écran 27 pouces, du coup là je suis genre en full screen, full HD. Donc peut-être que au niveau de la qualité, ça se trouve le rendu sera meilleur que sur mes anciennes vidéos. Bon, je verrai bien. Ça fait trop plat. Bim. Par contre, ça fait un peu crème glacée comme ça. Ce qu'il faut, c'est ouais, mettre de la laine ici de manière à ce que les PNJ ne puissent pas monter. Putain, pourquoi j'ai des mini-freezes? Je sais pas d'où ça vient. Et tu ferais pas la même chose qu'à l'avant, mais sur tous les côtés? Si. Comme ça, t'as pas besoin de mettre de laine. Ouais, mais c'est pour pas qu'ils. Mais ils savent pas sortir normalement. Non, mais qu'ils montent sur le plan de travail, ça sera moche. Tu sais, t'arrives au marché, t'as le mec qui me monte sur sa table. Yalla! Salut, tu veux des saucissons? Elle est belle, ma marchandise. Du coup, ici on peut mettre. Je vais chercher des demi-dalles en bois. Par contre, les barrières là, elles vont être gênées par les dalles. On ne met que des petites barrières devant. Ce toit est super moche. Je sais pas quoi faire. Oh, j'avais pas vu. Oh putain là, franchement. Pouce vert pour le toit de Skyyard. On dirait de la crème fraîche. Ah ouais, et comment ça t'es crème fraîche toi? Mais ouais mec, c'est une petite montagne comme ça. Bah ouais, mais forcément avec de la laine blanche c'est moche, mais avec la couleur ça pourrait passer. Ah d'ailleurs on l'a pas coloré. T'as du coloré. J'ai pas les colorants ici. Non, je crois pas, je vois. Il y a des slimes, ils viennent te faire coucou. Au pire on a pas cassé de la laine colorée sur cette maisonnette là. Si, de la laine bleue. Ouais bah au pire prends là, finis la moi. S'il faut c'est rajouter autre chose là dedans. Putain, y'a pas du fer dans le coffre pour faire une cisaille? J'en ai. T'as une cisaille? Ouais, elle est presque morte mais ça devrait suffire. Oui. Ah ça coupe bien.
vais... Comment la donner du relief? Merde, j'ai pas fini ce côté-là. C'est dommage qu'on puisse pas faire de demi-dalle en laine. Ouais. Parce que ça aurait fait un toit un peu plus plat. Ça aurait été mieux. Ici, je veux mettre... Ici, je veux mettre... Putain, je suis tombé! Je veux mettre ça et je veux remonter. Et pour... Mais... Et une fois là, je veux... Là, le tout, il est là. Ce qu'il faudra, c'est que... Faut essayer de trouver un système pour... donner de relief à tout ça. Putain de ça. Une intrue. Ok. La 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 la. Putain, j'arrête pas de me tomber. Putain. Voilà, il y a du cul pour. Voilà, bravo. Ah, ici, j'ai oublié de remplacer. Ouh. Et donc, avec ceci. Ça rend bien et t'alterne avec les escaliers en bois comparé à l'étage avant. Attends, je vais tester un truc. Moi j'ai une idée en tête, je sais pas si tu vas faire pareil mais je pense. Ça je les enlèverai après. Tac. Il faut réfléchir. Ici, est-ce que je mets du bouet? Est-ce que je mets quoi? Qu'est-ce que je fais? Oh, il me faudrait des escaliers. Oh, de la laine! Oh, de la laine, oui, oui. Parce qu'on n'a pas mis assez de laine. Tiens. Alors, oh tiens, j'ai de la science boule, c'est moi qui l'avais. Trop cool. Escalier, je veux des escaliers. Je veux saut. Alors, paternisons tout ça. Je fais... pas l'air d'accord. Oh, j'arrête pas de me casser la gueule, mais ils font quoi eux? Je sais pas, c'est le PNJ. Ok. Attends. Je sais pas si ce que je fais c'est beau, je verrai ça plus tard. Jade, elle vend des gaufres. Ok. Moi j'aime bien, tu sais quoi. Il y a pas de laine, enfin il y a pas beaucoup de laine, mais c'est pas grave. La laine du haut doit être vraiment dégueulasse, oui, absolument. Oui, c'est de trop. Qu'est-ce que je peux mettre en haut? Vu d'ici, ça rend vraiment bien. Alors, faut que je descende. Ah, ça fait un petit toit sympathique, ouais. Ça fait... Franchement, je pense que là, il y a de la géritude. C'est bien, t'as remplacé les blocs. Bah, derrière, c'est pas encore fait. Je vais le faire. Tac. Je pense que c'est so beautiful. Ah, j'ai été plus rapide que toi. Méchant. Yalla. Mais là, pour l'instant, il y a des demi-dalles un peu autour, mais elles seront peut-être bougées. Les dalles, là, c'est là où je suis. Partout là, pour l'instant elles sont mises là comme ça. Et ici, en fait, là ça va être les petites échoppes centrales. Ici il y aura un chemin qui ira vers une grosse échoppe et là aussi vers une grosse échoppe. Et là on arrive, on descendra et là il y aura la grande zone avec plein de petites échoppes un peu partout. Ça sera vraiment le petit marché, le petit souk, le petit fouillis. Enfin, quand j'ai vu ce petit endroit, je me suis imaginé le truc. Enfin, ça va être juste super beau. Mais en attendant, il faut déterminer un peu le pattern des échoppes, comment on les fera, surtout ici. Et après, là-bas, elles pourront être pas toutes identiques. Ça, mais j'ai envie qu'ici, au moins, elles soient toutes pareilles pour le milieu. Et on en fera des grosses ici. Enfin, voilà. Ici, qu'est-ce que ça manque? Ça manque de quoi? Ça manque peut-être de barrières. Est-ce que c'est beau avec les barrières? Dis-moi, forcez. Dis-moi. Ça a son charme. Ça a son charme. Ah, j'ai plus de barrières et elles sont passées où? J'en ai plein. Tiens. Attends. Vas-y, vomis-moi les barrières. Ok. Ok.
Tu vois que t'y arrives quand tu veux. Bah, elles sont rendues où? C'est bon, j'en ai trop de Elles sont descendues, je sais pas. Au pire, attends, est-ce que c'est beau si j'en mets là? Non. Et au-dessus, tu pourrais mettre un feu pour que ça fasse un peu de fumée comme ça. Genre, il y a un foyer au milieu. Un feu? Mais ça va prendre feu. Mais non. Mais si. Tu fais ça avec des toiles d'araignée qu'on trouve dans les mineshafts. J'aime bien faire des petites pointes. C'est avec... du fake feu. J'aime bien la pointe, les pointes avec les torches sur le dessus, moi. J'aime bien le truc qu'on vient faire. Ça ressemble un peu au bar qui est au milieu des marchés de Noël. C'est accessible des quatre coins et il y a tout le monde qui te sert. Attends, il me faudrait un pli en limite, un truc en. Ouais, non. Ouais, non. Ouais, je ne sais pas. Oh! Oh, j'ai une autre idée! Mais ça risque de faire gros. Comme ma maison. Ah, mais j'ai pas de cobble. Ah, si, il y en a là. Pouhou! Testons. Comment on l'a fait? Ah non, rien, j'ai rien dit. Je vais faire des essais. Il faut faire des essais pour trouver le pattern qui nous plaît. Ah, c'est beau. Alors. Ah putain, mais j'arrête pas de me casser. Tac. Ouais, c'est peut-être gros. Hein. Bah, c'est gros, non? J'ai pas vu ce que t'as rajouté en fait. La cobble. Ouais. Je préfère ceux en bois. Ouais. Et ici, ça donne quoi? C'est pas top non plus. Attends, faut que je voie. Attends, je remets les potes en bois. Si, ça peut encore aller en fait. Puis on réfléchira, et après vous pourrez nous dire s'il y a des trucs à modifier dans les commentaires, sur le chat. Des trucs à enlever. Après je fais le fifou là, j'en mets carrément une épée, une hauteur en plus. C'est... J'aime bien quand ça monte haut. Bah j'aime bien. On peut accéder des quatre côtés. Vu de devant, ça fait comment? J'ai mis des barrières sur les piliers de cobble. Ça fait peut-être trop, non? Les barrières un peu, ouais. J'aime bien si en fait ça, le dégradé ça fait l'épaisseur des trucs en cobble gros, les barrières moyennes et la torche toute petite. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Ici ça fait cheminée en fait. C'est moche. Ouais. Faut voir ce que ça donne. Comment on peut faire? Oh non, bref. Ouais, non. C'est mieux ça. Ouais. Attends, je vais faire la totale cheminée là. Je finis ma cheminée avant de la détruire. Ce qui ne ressemblera pas du tout à une cheminée, mais voilà. Date cheminée. J'ai l'impression que ça manque d'un truc en fait au centre. Qu'est-ce qu'on peut. Le truc qui ne se verra pas. Est-ce que ça se voit d'en bas? Ça se voit, mais ça choque un peu. Ouais, peut-être si j'en mets une en cobble ou en stone bricks. Il faut faire des essais, encore des essais, toujours des essais. Ah, c'est pas moche. On verra bien. En bas. Ça. C'est peut-être gros, ouais. Peut-être pas besoin de la mettre. J'enlève? Ouais. Nyaha! Sinon, bah la laine au final elle est quand même visible du coup, c'est ça qui est bien. Ouais, de l'intérieur. Parce que je vois pas où on pourra en rajouter d'autres, parce que à la place début je me vois pas mettre de la laine. Ouais, moi non plus. On peut toujours essayer, hein. Ça peut rendre bien, mais. Ouais. Je trouve que les bûches sont bien. Je pense que dans l'ensemble le pattern est prêt. Après le sol sera remplacé et tout, on pourra mettre de la verdure à côté. Donc je vous refais un petit tour de ce pattern là. Faut que je me. Si je peux me surélever pour que vous le voyez en haut. Tac. Voilà. Peut-être changer de type de bûche par contre. Ouais, on verra, on pourra essayer. Ça après vous pourrez nous dire les variantes dans les commentaires, nous on fera des essais aussi. Tac. Voilà, Feather Felling. Donc là c'est le toit de celui-ci. Petit pattern sympa. Donc ça c'est le plus basique, quoi, vraiment les shops de base. La laine qui fait marché, mais vraiment marché basique, on les voit partout celle-ci. Mais qu'est-ce qu'elle fait à rentrer dans moi celle-là? Oups, j'ai pas voulu casser la fleur.
C'est le gros chueur, coup d'épée. Là, si je lui mets un coup, il est mort. Alors, je vais casser ça. Ça et ça. Voilà donc à peu près le pattern pour cette échoppe là. Donc, numéro 1 pour celle-ci. Numéro 2 pour la plus basique. Au pire, vous dites pattern basique. Pattern avancé. Et pattern fait dans la vidéo. Pattern numéro 3. Ça fait beaucoup de choses compliquées. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez compris? Envoyez votre SMS au 9970. 2 euros le SMS envoyé reçu. Voilà, sur ce, bah, on va se laisser sur ce petit pattern. Je sais pas combien de temps de vidéo on est parce que j'ai eu un bug avec le timer. Et du coup, s'il reste un peu de temps et que la vidéo est pas trop longue, je vous mettrai des petits passages accélérés de construction, de terraforming, choses dans ce genre-là. Voilà, voilà. Sur ce, dites-nous ce que vous pensez du pattern et quel pattern vous préférez. Ça nous aidera pour choisir et pour faire l'avancée du marché. Skyard, merci à toi de m'avoir accompagné et de m'avoir aidé à fabriquer ce joli petit truc. Mais merci à toi de m'avoir invité. Y'a pas de soucis. Et du coup, bah, n'hésite pas à aller voir, comme j'ai dit, le premier épisode de Spyard qui est rigolo. Il a vraiment fait un truc super beau, super grand. De toute façon, toutes les chaînes des participants sont dans la description. Même Del qui n'a pas de chaîne, mais elle a un Twitter. Alors si vous voulez regarder, vous allez voir. Elle est pas gentille. Non. Enfin voilà. Gros bisous, c'était Aishi et Skyard. Bisous, bisous. Salut.